I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Alors aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par La Manufacture. Donc quand j'ai entendu le nom, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Je trouvais le nom hyper original. J'ai cliqué dessus et tout ça et franchement, j'étais hyper surprise. J'ai bien aimé le branding et tout ça. Donc du coup, quand ils m'ont demandé de tester leur nouveau produit, je me suis dit ok. Je regardais un peu, tu vois, moi je suis toujours là pour tester de nouveaux trucs. Donc du coup, ils m'ont envoyé un petit fond de teint. Et apparemment, ce fond de teint-là, en fait, vous pouvez le fabriquer vous-même. Je vous explique, c'est un truc de malade. Donc juste pour la petite intro, ils sont vraiment dans le clean, tu vois. Donc du coup, apparemment c'est vegan, pas testé sur animaux, sans huile. Les gars, ça on aime bien, parce que comme vous savez, l'été arrive, et moi je suis une oily girl, tu vois. Donc c'est sans huile et sans parfum. Nickel, vraiment. Donc je me suis dit, ils vendent tout ça là. Je vais un peu regarder, voir un peu comment ça se passe, ok. Je vous dirai vraiment la vérité sur si j'aime beaucoup le produit. Alors on va ouvrir ça, juste pour un peu voir. Ouh, fancy. Ça va beaucoup aider les personnes qui, après avoir testé tellement de fonds de teint et de teintes, etc. et qui ne savent tout simplement pas trouver la teinte exacte, tu vois. Parce que des fois, voilà, il y a les tons, les sous-tons et tout ça, et des fois, c'est très compliqué à comprendre. Donc là, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah bon, ben on va voir ça. Je vous montre la boîte. Waouh, love it. Très très joli, bien présenté. Et donc du coup, vous avez quelques teintes ici, tu vois. Et avec ces teintes-là, vous allez pouvoir créer votre propre fond de teint, genre sur mesure. Vous avez la petite seringue pour pouvoir faire le dosage, tu vois. Et vous avez ce petit accessoire ici, là, qui va vous permettre un peu de vous guider. C'est un truc de malade. Il faut que je vous montre ça de près. Ça, vous allez le placer, je pense, devant votre téléphone ou quelque chose comme ça. Et ça va pouvoir mesurer, en fait, le mélange que vous devez faire. C'est pas un truc de malade. Franchement, moi je veux voir de mes propres yeux, ok? Donc on va faire ça tous ensemble et on va voir si c'est la bonne teinte. Alors vous allez ouvrir votre appareil, ensuite scanner le QR code qui va vous mener vers un site internet. Donc ensuite, vous allez arriver sur cette page-là, choisissez votre langue. Et ensuite, vous appuyez sur suivant chaque fois. Voilà, on vous donne les instructions. Il y a une petite vidéo pour regarder comment faire. Et ensuite, vous allez prendre vos photos. Alors, voilà ce qui se passe à l'intérieur de la skin cam. Donc, je prends ma photo, voilà, avec le flash de préférence. Ça aide vraiment beaucoup. Et ensuite, je l'ajoute. Voilà. Et ensuite, j'en prends une autre et je fais le processus 4 fois de suite. Et si je ne suis pas satisfaite, je peux toujours recommencer les photos. Mais ça va vraiment déterminer la teinte que vous aurez. Donc, prenez votre temps pour faire ça. Alors, une fois que j'ai le résultat, je vais tout simplement faire le mélange. J'en ai mis un peu sur ma main. Maintenant, on va appliquer ça sur le visage. Ça a l'air vraiment d'être la bonne teinte. Ouais. Regardez ça. Ça a fini un peu satiné comme ça. J'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. Je sais pas si vous arrivez à voir ça. La teinte est vraiment pas mal. J'ai rien à dire là-dessus. C'est une couvrance, je dirais, moyenne. La couvrance est moyenne.
Je n'ai pas les mots. Franchement, ils ont bien fait ça. Ils ont bien fait ça. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. Après, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'essayer de prendre la photo non seulement à la lumière du jour, avec la lumière du jour, et de bien être précis. Parce que si vous prenez mal les photos, en fait, vous allez avoir la mauvaise teinte. Parce que j'ai dû le faire quand même deux fois. La première fois, je trouve que c'était pas vraiment exact. Mais c'est parce que je découvrais un peu le produit, je savais pas trop comment utiliser ça. Alors je vais terminer mon make-up et ensuite je reviens. Ok, je suis de retour et les gars, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'approuve? Personnellement, j'approuve, j'aime beaucoup l'initiative en fait, l'audace de devoir se dire ok, moi je vais vraiment faire en sorte que tout le monde ait sa teinte, tu vois. Parce que déjà ça, c'est un gros challenge pour toutes les entreprises. Avoir des gammes hyper larges et tout ça, mais... Il y a à chaque fois ce truc qui manque, tu vois. C'est impossible de choper toutes les teintes parce que toute personne, en fait, a sa propre carnation. Et là, le fait qu'ils se disent, ok, on va vraiment donner les teintes de base, tu vois, un peu de rouge, un peu de jaune. Vraiment pour customiser le truc, moi, je trouve ça génial. Après, le seul petit truc qui pourrait être un challenge, c'est le fait de prendre de bonnes photos pour pouvoir être sûr d'avoir la bonne teinte. C'est vraiment quelque chose où il faut être assez précis, tu vois. En même temps, et apparemment, c'est longue tenue, donc... Je vais pouvoir tester tout ça. Alors franchement, ce petit gadget-là, je trouve ça trop cool. Genre vraiment, j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai dû lire en fait pour savoir ce que c'était. Après, il faut bien le mettre aussi sur l'objectif. Hein, parce que si c'est mal placé, vous n'aurez pas une bonne photo et du coup, vous n'aurez pas la bonne teinte par après. L'utilisation hyper simple, voilà, avec une petite seringue, c'est vite fait. Vous prenez, vous mesurez, vous mettez dans votre petit contenant. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je pense même que j'ai un petit coupon, je pense. Hein. Si j'en ai un, je mettrai ça aussi en barre d'infos. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, allez soutenir sur Instagram. Et à la prochaine, les papayas. Bisous, bisous. Ooh.